salut. Salut. Oh. Oh là là. Oh. Bon, je réchauffe le café, hein. Ah, ça c'est sympa, ça. Ah, le café. J'ai bien entendu le mot café, j'ai pas rêvé. Il s'en va jamais, allez. Salut, vieux. Salut. Salut. Hey, Anthony. Hey, dis-moi, comment ça s'est passé avec Angélique hier? C'était bien? Angélique? Oui. Oh, bof. Hein? Oh, bof. Et comment ça, bof? Ouais, c'était bof. C'était pas bien? Non, il s'est rien passé du tout. Comment ça? Eh ben... on a discuté, c'est tout. Ah bon? Vous avez discuté? Bah, tu peux t'expliquer un petit peu, quand même, là? Ouais, on est arrivé, elle m'a sauté dessus, elle m'a embrassé, et puis après on a discuté, et puis on a continué à discuter, voilà. Ah mais d'accord. Et tout ça dans le placard, toute la journée? Ouais, dans le placard. Et on était tranquille d'ailleurs ici, c'est sympa. Oui, c'est sûr, dans le placard, pas tranquille, ça. Ça, on est tranquille. Non mais là je te comprends pas très bien, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, c'était bizarre. Mais au bout d'une heure, toi, j'étais plus amoureux, quoi, fini. Qu'il était plus amoureux? Non mais tu entends, Daniel? Il était plus amoureux. Après tout ce qu'il nous a fait avec elle? Non mais tu plaisantes, j'espère. Non. Écoute. Je l'ai embrassé puis j'avais plus envie. D'accord? Et alors donc maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire puisque t'es plus amoureux d'Angélique? Maintenant. Bah oui, maintenant, oui. À moi la belle vie. Ah oui. À moi les filles. Et la fête. Et la fête et les filles. Ça veut dire qu'on repart comme avant? Hein? Comme avant. Bécile. Mieux qu'avant, plus qu'avant. Comme ça. Avec plus de fêtes, plus de filles. Les plus belles filles et toutes les plus belles filles pour moi. Oh, un petit peu pour moi aussi, oh, c'est super ça. Ah bah tu vois, là je te préfère comme ça. Ah, moi aussi je suis... Mais alors dis-moi, ça va déménager, hein? Et dès aujourd'hui, ça commence tout de suite. C'est génial. Ouais, ben, en attendant, le café est chaud. Ah, enfin Daniel, bravo. Ça, c'est bien. Ça, ce sont des bonnes initiatives, Daniel, c'est très très bien. D'ailleurs, tu fais une tête, toi? Moi? Oh non, oh non. Bah si. Attends, pour un type qui a rien, t'as une tête bizarre, sincèrement. Ah oui? Non, 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 ça va. T'as un problème? Bah, explique-nous, qu'est-ce qu'il y a? On est tes amis, non, tu peux te confier, oh. C'est un truc tout bête, sans importance. Ah vas-y, écoute, tu fais pas prier. Alors? Bon bah voilà, hier j'ai dîné avec Virginie, puis ça s'est pas bien passé, voilà. Je me suis comporté comme un idiot et je m'en veux. Attends, bah explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On était au restaurant et puis elle regardait un type, bon, qui était pas mal, c'est vrai. Et ça m'a pas plu, bah oui. D'accord, tu as fait une scène de jalousie. Et elle n'a pas apprécié, évidemment. Non, pas vraiment, ça. Tu sais, ça arrive tous les jours, ça c'est pas très grave, hein. Demain, ça sera oublié. Oui. Ouais, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ouais, je sais bien, mais bon, en attendant, c'est ennuyeux, quoi. Ouais, bah écoute, en attendant, tu arrêtes de faire la tête, hein? Ah là 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 là, ces amoureux, hein? Je suis bien content d'être guéri, moi. Allez, oh! Comment il t'a fait ça? Je t'assure, mais une scène épouvantable. Tout ça parce que j'ai souri à un garçon. Attends, ça va, quoi? Mais t'es mignon. T'as quand même le droit de sourire à qui tu veux. Oh, j'étais folle. C'est dingue, hein? Te laisse pas faire, il y a aucune raison. Bah ça, t'inquiète pas, je me suis défendue, hein. Avec les garçons, si on les écoutait, on se retrouverait cloîtrés à la maison. Tu m'étonnes. Bon, et toi, comment ça se passe avec Jérôme? Oh, m'en parle pas. Il est hyper jaloux de Didier. Ah ouais? Il m'a fait des histoires hier, mais c'était pas possible. Tout ça parce que Didier est venu me chercher en voiture pour m'emmener à la fac. Alors que Didier, il est gentil, c'est tout. Ouais, enfin, des histoires pour rien, quoi. Toute la journée, hein, il a continué à me faire la tête. Enfin, on peut quand même avoir des relations normales avec d'autres garçons. Moi, je vais te dire un truc. Il y a un truc que je supporte pas, c'est la jalousie des garçons. C'est n'importe quoi. Avec eux, il faudrait qu'on soit des bonnes sœurs. Moi, je vais te dire, j'ai pas l'intention de me laisser écraser. Hein. Excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais une petite vieille qui râlait pour une soirée de pain, ça a fait une queue d'enfer dans la boulangerie. Ah bon? Alors voilà les croissants, mangez pas tout, je vais chercher le café. Merci. Tu sais que si on mange tout, eh ben, tu iras nous en rechercher. Ah ouais, d'accord. Alors Virginie, de quoi tu voulais parler à Justine? Je voulais un conseil pour une robe. Attends, t'es venue spécialement pour une robe? Bah ouais, parce que je veux m'acheter une robe et je veux avoir l'avis de Justine, quoi. Moi c'est pareil, quand je veux m'acheter des vêtements, j'ai toujours besoin d'avis des autres. Pourquoi t'as pas demandé l'avis à Daniel?
Parce que tu vois, Daniel, question robe, c'est pas trop son truc, quoi. C'est quand même à lui que tu dois plaire, non? Ah, et aux autres, attends. Allez, tout à fait. Mais attends, toi, j'espère que tu veux plaire qu'à moi. Et ben alors là, tu te trompes. Parce que je veux plaire à tous. Ah ouais? Eh oui. D'accord, je vois. Non, mais attends, Jérôme, si je veux plaire à tous, c'est pour mieux te plaire à toi. Bon, eh ben, voilà. Le café, ça doit être servi comme des princesses. Voyons, voyons. C'est normal, si tu veux, parce que nous sommes des princesses. Oh, oui, c'est... Je suis vraiment désolée, là. Je suis vraiment désolée. Eh ben, les princesses n'ont plus qu'à aller se changer. En tout cas, non, vous voyez, eh ben, j'adore quand on fait nos émissions à la cafette. Ah oui, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus vivant, hein. Non, c'est vrai, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a le contact direct avec nos auditeurs. Oui, et le contact direct avec les auditrices. Oui, 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 c'est vrai, avec les auditrices. Oui, c'est vrai que c'est plus sympa, hein. Mais qu'est-ce qu'elles font, les jumelles? Parce que si ça continue comme ça, on n'aura jamais le temps de prendre notre petit déjeuner, hein. On est pressés, non? Bah c'est vrai que si on doit commencer l'émission dans 10 minutes... Moi j'ai une dossier faim. Ça, pour travailler, c'est jamais très bon d'avoir le ventre vide. Hein. Mais enfin, ni trop plein. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et voilà le petit déjeuner. Et surprise, avec des bons poissons et des bonnes brioches. Oui, Et pour M. Gérard, du thé. Hein? Non. Pas de thé. Pourquoi n'est pas de thé? Mais, M. Gérard, vous me demandez pourquoi? Mais dans le thé, il y a de la théine. Et la théine, eh ben, c'est pas bon pour votre cœur. Alors non, pas de thé. Alors tu me ramènes un verre de lait demi-écrémé, ce sera parfait. Oh, un verre de lait demi-écrémé, froid, comme ça? Ah oui, parce que c'est beaucoup plus digeste, vous comprenez? Alors, Suzy, tu ramènes et les brioches et les croissants. À la place, tu ramènes des petites tartines de pain. Et du beurre allégé. Le beurre allégé, c'est très important, hein. Oui, mais attends, Annette, pour Monsieur Girard, peut-être, mais moi, une bonne brioche avec un bon croissant, là, c'est impeccable, ça. Non, Harry, non, parce que si tu fais ça, tu vas tenter Monsieur Girard, tu comprends? Et alors, non, tu fais comme tout le monde, tu ne prends rien. Oui, bon, ben, je vais vous ramener un petit verre de lait, alors. Okay. Et moi, je vais vous chercher du beurre allégé. Oui, merci, oui. Bah, je sais pas vous, mais moi je sens qu'on va faire une émission formidable. Ouais, oui, Annette, ouais, ouais, mais enfin commencer la journée comme ça avec un verre de lait demi-écrémé froid, ouais. Moi j'ai l'impression que j'ai manqué un peu de tonus. Ouais, moi si j'ai pas mon petit croissant du matin, et bah chagrin. Oh mais non, arrêtez de vous lamenter là, au contraire, vous allez avoir énormément de tonus parce que vous n'aurez que des choses saines dans le corps, vous comprenez? Et pas toutes ces mauvaises graisses là, ni tous ces sucres. Qui englue vos artères. Non, tu crois, Annette? Ah, mais je crois pas, j'en suis sûre. Ah. Et puis, Monsieur Girard, à votre âge, vous savez, la digestion, c'est super important. Oui, bah, attends, moi, Annette, la digestion, c'est impeccable pour moi, hein, alors... Harry, alors tu te tais, hein, parce que moi, ce que je fais, c'est pour votre bien, d'accord? Ah. Et voilà, Monsieur Girard. Merci. Mi-écrémé, beurre allégé... Voilà. Merci. C'est parfait. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Enfin, c'est frais. Ah, bah ça, je vous l'avais dit, hein? Salut. Ah, bonjour, tu. Gérard, bonjour. Bonjour, les garçons. Bonjour. Bonjour. Bonjour, allez. Bonjour, Monsieur Gérard. Salut. C'est bon à vous? Eh ben, c'est vous, ouais. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on va faire une émission spéciale dans la cafette. Sympa ça. Ah ouais, moi j'adore. J'adore venir ici parce que au moins, tu vois, ça me change le studio, je respire. Virginie n'est pas là? Ah ben non, elle est passée voir Justine ce matin. Ah bon? Oui. Allégé. Faites gaffe. Ah. Non, c'est bon là. Ah, regardez. Regardez là. Quoi? Ouais. Les trois filles. Ben, je suis pratiquement sûre, hein, ce sont des fans. Ah mais ouais, t'as raison, regarde bien nous. Ouais, c'est vrai.
Bon, elles sont pas mal. Bah tiens. Pas mal. Je vais aller leur parler. Parce que c'est bien d'avoir contact avec ses auditeurs. Ah, il faut. Et auditrices. Salut. Salut les filles. Bonjour. C'est vous, Nadira? Oui, c'est moi. En fait, on se demandait qui était Roger Girard. C'est lui, non? On pensait que c'était lui. Oui, et moi, je pensais que c'était lui. Ah non. C'est lui. Monsieur Girard, c'est lui. Oui. Hey, c'est moi, les filles, c'est moi. On n'imaginait pas aussi vieux. Oh là là, regarde comme c'est beau ça. Ah, tu l'as dit, hein. Ah, tu as raison, moi, tu vois. Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une belle fille. Ouais, t'as raison. Surtout, tenue là. Oui, attends, regarde la blonde là-bas. Ah oui. Oh là là, regarde. Oh, j'ai mon cœur qui bat comme elle est mignonne. Calme-toi. Et remarque, la brune à côté, quand même, est très mignonne aussi. Hein. Oh, t'as raison. Regarde cette petite forme là. Et puis en plus, c'est comme ça. Pas de jaloux. Toi, la brune, moi, la blonde. Oh, moi, ça me plaît bien ça. Ouais. Ça marche. Ça fait plaisir de te retrouver comme avant, tu veux pas savoir. Allez, on y va. Ouais, allez. Allez, sûr. Salut les filles. Salut les filles. On se présente. Oui. Luc et Anthony. Enchanté. Oui, Anthony est prof de karaté ici et moi je suis prof de tennis. Et moi je suis sûr que vous adorez le karaté et le tennis, non? Bah non, pas du tout. Nous on adore que les culturistes. Ah bon? Salut, voilà nos copains. Salut. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. C'est vrai que pourtant c'est... Bon bah, c'est qu'un début. Hein. C'est... Ouais. Allez, motivé c'est bien quand même, hein. C'est pas grave. Motivé. On y croit. Ah, on y croit. Et puis, salut. Ah, salut les filles. Attends, Virginie, t'es pas allée rejoindre Daniel à la cafette? Ah, il t'attend en haut. Ouais, bah ça, il peut attendre. Après la scène qu'il m'a faite hier. Hein. Ah, d'accord, c'est ça. Quoi ça? Bah, il nous a raconté. Tu sais, il est vraiment embêté. Hein. Et bah, il peut. Non, mais quand même, c'est fou d'être jaloux comme ça. Oh, bah, ça va. Il est vraiment désolé, il est pas bien. Tu pourrais être sympa. Enfin, il t'attend quand même. Non, ça le prendra, je te dis. Attends, Virginie, oh. Bon, hé, vous allez pas insister. Elle a dit non, c'est non. Ouais. Dites-moi, les garçons, vous le connaissez, là, le garçon qui est là? Ouais, qui est là? Hum? Celui-ci, ouais, comme ça, il vient de temps en temps, ouais. Ça vous dérange de me présenter? Quoi? Bah quoi, si vous connaissez, vous pouvez me le présenter, non? Virginie, te rends pas compte, c'est gênant. Attends, Daniel, c'est notre copain, on peut pas, non. Vous m'embêtez, là, avec Daniel, ça va, quoi? Mais attends, mais qu'est-ce qui te prend, oh? Bah quoi, qu'est-ce qui me prend? C'est rien d'exceptionnel, on va parler à un garçon, attends. Virginie? Tu veux vraiment lui parler? Bah ouais. Bon, on n'a pas besoin d'eux, on y va. Et ben on y va. Ok. Bah ouais. Bon, très bien. Franchement, mais ça veut dire quoi ce cinéma là? Je crois qu'elles ont déterré l'âge de guerre. Ouais, j'ai l'impression aussi que les musclés ont beaucoup plus la cote, tu vois. Ouais, tu crois? Ouais, nous c'est pas tout à fait ça. Et on se retrouve toujours en direct de l'Alfredo's Café. Eh oui. Vas-y. Musique. T'as vu, c'est Agnès Girard qui fait son émission. Ah oui, Radio Folk, ouais. C'est génial. Surtout qu'il y a Roger Girard, celui qui fait les émissions sur l'amour. Ah oui, bah, je veux le voir. Hé, hey, oh, doucement. Excusez-moi, pardon. Pitié, je suis en roller. Oh, excusez-moi, je travaille ici. Pardon. Oh. Susie, deux pamplemousses, d'accord. Et bon jus d'orange. Ah oui, tu dis mon chocolat. Jus de pamplemousse. C'est parfait. Voilà, deux pamplemousses. Ah. Dis donc, c'est pas facile. Merci. Bon, j'y retourne. Bon courage. Merci. Alors comme ça, t'as dit qu'elle est à la salle de sport. T'en es bien sûr? Ouais. Ouais, elle était avec Justine. Je comprends pas qu'elle t'ait rien dit. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on s'est un peu disputé hier soir, tu vois, et... Ah, vous êtes un peu disputé? Ouais, mais on s'est quitté un peu froidement, et bah, une bête histoire de jalousie. Ouais, de toute façon, c'est rarement intelligent. Hein. Ouais. Et comment elle était ce matin? Je sais pas, normal. Non, elle m'a juste dit qu'elle voulait discuter avec Justine, quoi, c'est tout. Ah bon? Elle discutait de quoi? Bah, de robe, apparemment. Mais comme je suis descendu acheter des croissants, je pense qu'elles ont dû parler d'autre chose. C'est quand même étrange qu'elle ait voulu parler à Justine le matin, comme ça, non? Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi sur le coup, mais... Ouais, mais à mon avis, elle lui a parlé de notre histoire, c'est sûr. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas dramatique.
Bah, j'espère, j'espère. Arrête. Il y a un monde, pardon, excusez-moi. T'as vu le monde? C'est dingue ça. C'est pire qu'un concert à Bercy. T'as raison, c'est un délire, hein. Ah bah tiens. Salut Jérôme, le visage connu. T'es bien? Ça va. Ça va? Wow. Bon, dites-moi, vous avez vu Virginie ou pas? Virginie? Oui. Oui, on l'a vu, elle était avec Justine. Ah bon? Oui. Hein? Oui, c'était à la salle de sport, elle voulait faire du... s'entraîner. Elle voulait s'entraîner un peu, hein, les... Oui, c'est ça, elle voulait s'entraîner parce qu'elle voulait faire du... Enfin, elles ont fait du sport, voilà. Elle voulait s'entraîner, quoi. Mais dites-moi, là, qu'est-ce que vous avez? Vous m'avez l'air tout bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah, rien. Si, je sais pas ce que vous avez, mais vous êtes bizarre, non? Qu'est-ce qu'on pense, toi? Ah ouais, ils sont bizarres, là, vous êtes bizarres, hein. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allô, ça va très bien? Non, rien. C'est le monde, peut-être, je sais pas, non, c'est... Vous cachez quelque chose, là? Pas du tout. Bon, j'y vais, moi, Tony. Attends, je viens avec toi. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, là, ça va être chaud. Ouais. Voyons mieux qu'on y aille, viens. Pardon. Alors comme ça, vous venez vous entraîner ici tous les jours? Ouais, c'est obligatoire pour entretenir nos muscles. Sinon, tout s'en va. C'est que c'est pas magique, ça demande du travail. Enfin, ça va, vous avez des réserves. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais, mais quand même, ça fond vite. Moi, je viens ici tous les jours, je suis obligé. Ouais, moi, il m'arrive de venir même deux fois par jour. Ah bon? C'est bizarre qu'on se soit pas rencontrés avant, alors. L'essentiel, c'est qu'on se soit rencontrés aujourd'hui. Ah, mais enfin, c'est dommage qu'on se soit pas rencontrés avant, moi, je trouve. Parce que ça, vous êtes très sympa. C'est rare de rencontrer des garçons aussi sympas que vous. Mais écoute, merci. Vous êtes très, très gentille aussi. Mais on parle depuis tout à l'heure, mais on s'est même pas présenté encore. Eh ben, on a qu'à le faire. Elle, c'est Virginie. Et elle, c'est Justine. Et moi, Eric. Et moi, Marc. Ok, ben voilà, on se connaît, c'est fait. Vous êtes toujours comme ça. Oui, on ne doit pas s'ennuyer beaucoup avec vous. Vous voulez boire quelque chose? Oui, moi, je veux bien. Moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Un jus d'orange. Ben, moi, la même chose. Le jus d'orange, on va vous chercher ça. Ok, merci. Virginie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh, écoute, ça va, on fait rien de méchant. Hein. Attends, mais si les garçons nous voyaient? Eh ben, justement, ça serait comme d'habitude, ils seraient jaloux. T'as raison. Et, tu les trouves pas mignons, toi? Oh ouais, t'as vu leurs muscles? C'est marrant, hein. C'est impressionnant. Attends, les voilà. Ces dames sont servies, deux jus d'orange. Merci. Alors, à notre rencontre? Ben, à notre rencontre, Marc. À notre rencontre. Ça fait du bien. Oui. J'aimerais bien voir comment tu t'entraînes. C'est vrai? Oui. Tu veux que je te montre? Allez, viens. Tu veux que je te montre, moi aussi? Ben, on est bien, là, tu trouves pas? Ouais, on est très bien, ouais. T'as un très beau sourire. Ah oui? Oui, t'as des yeux d'un bleu. Ah bon? J'ai jamais vu des yeux aussi beaux que les tiens. Ben... C'est gentil, merci. Non, c'est la vérité. Non. Attends, Daniel, il est champion de boxe. Et alors? Il va te massacrer, non, t'es fou. Arrête, lâche-moi. Daniel! Oh, laisse cette fille, Coco. De quoi tu te mêles, toi? Quoi? T'as pas bien compris? Je te demande de la laisser. Ah ouais? Ouais, parfaitement. Alors là, tu vas voir, mon petit. Ah ouais? Tu sais, quand t'as cassé la figure tout à l'heure à Marc, ben, j'ai vraiment compris que tu tenais à moi. Ah bon? Parce qu'avant, t'en étais pas sûre. Si, mais je pensais pas autant. Ah ben voilà, maintenant t'as compris. Hein? Ouais, j'ai compris. Excuse-moi. Non, c'est à moi de m'excuser, hein, pour la scène que je t'ai faite hier. Bon, on n'en parle plus, ok? Ouais, d'accord. Mais bon, j'ai quand même été stupide. Ben arrête, moi aussi j'étais stupide. Comme ça, on est tous les deux à égalité. Ouais, d'accord. Bon, Eleanor va y aller, hein. Oui, parce que toutes ces émotions, ça nous a un peu épuisés. Je suppose que vous aussi, non? Ouais, puis avec un héros comme Daniel, c'est vrai qu'abattre un champion de boxe comme ça doit être fatigant. Oui, bah ça fait surtout mal aux articulations. Attends, je vais m'en occuper. Non, mais c'est bon. En tout cas, j'ai compris maintenant. Faut pas te contredire. Ok. Bon, allez, bonsoir. Salut. Ciao. Salut. Tu veux pas que je te mette une bande à la main? Non, ça va, merci, je te remercie. T'es sûr? Oui. En revanche, je sais pas, mais... Enfin, tu pourrais peut-être... Peut-être... Pourrais peut-être... Peut-être, quoi. Mmh.
Alors, oh, t'arrives ou pas? Ah, vous êtes là? Oui. Oh, ouais, oui. Salut les amoureux. Salut. On vous présente Céline et Françoise. Ouais. Salut, salut. Salut, Daniel. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on boit, hein? C'est pas tout, mais... question, tiens. Non, attends, attends. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, attendez. Non, juste une... Excusez-moi, juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Venez, venez. Bah, comme vous voyez, là, c'est pris. Comme ça? Oui, donc, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, tu veux dire... Ah oui, d'accord, j'en vois, oui. Ok, d'accord, on a compris, tu... T'aimerais rester seule avec Virginie. Voilà, donc si vous pouviez prendre vos charmantes copines, eh ben, ça m'arrangerait, quoi. Enfin, vous pouvez aller boire un verre dehors. Tu crois? Bon, j'ai compris le message. Bon, je crois que... On n'a pas le choix. Ok, merci, bon. Super. Bah, charge de branche. Hein? Non, mademoiselle, on change le programme, on va aller prendre un verre dehors. D'accord. Allez, on y va. Salut, salut. Toujours d'accord. Ah, oui. Hein? Vous revenez à minuit? Merci, oui. Daniel. Hein? Super, c'est... Ouais. Bah, merci à vous, surtout. Oui, oui, c'est ça, oui. Ciao. Non, toi, hein. Enfin seul. Hein? Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ce qu'on disait. Alors. Attention. Ce qu'on disait. Attends que je me souvienne. Mm-hmm. Ah oui, ça y est. Oui, je... Ça te revient? Ah oui. Oui, moi aussi, ça me revient.